Alors que les petits États insulaires se remettent de la pandémie du COVID-19, nous recherchons des moyens innovants de relancer et de diversifier nos économies. Heureusement, nous n'avons pas à chercher très loin, car l'océan a un énorme potentiel pour y arriver. L'amélioration du tourisme, la pêche et du développement des énergies renouvelables peuvent jouer un rôle vital dans le développement social et économique. Des mécanismes non conventionnels tels que les échanges de dettes ont également été utilisés avec succès pour la conservation des océans et avec des avantages à la fois pour l'environnement et les ressources fiscales. Une chose que nous devons garder à l'esprit cependant est d'assurer une approche durable guidée par des dernières données scientifiques disponibles avec la bonne approche. La croissance économique et la conservation marine peuvent toutes deux être réalisées sans compromis.